Hello tout le monde, nouvelle vidéo FIFA 23. Cette fois-ci, c'est la carrière joueur avec mon joueur qui s'appelle El Tonio. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, nous sommes, je crois, à la quatrième journée de championnat, je crois, et on affronte à l'extérieur le Stade Malherbe de Caen. Je vais lancer le match comme d'habitude, donc j'ai pas touché à la difficulté, hein, toujours en légendaire, tout est comme le match précédent, tout est en place et on va essayer encore une fois de faire la différence, de mettre nos coéquipiers dans de bonnes conditions, si eux nous mettent dans de bonnes conditions également, parce que l'un ne va pas sans l'autre forcément. Si on n'est pas trouvé, on ne peut pas trouver les autres. C'est son nom et son visage qui reviennent. Il a réalisé un triplé lors du dernier match. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Voilà, il a tout dit. Je vais laisser les compos s'afficher, les commentateurs faire le blabla habituel. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance. Quatrième journée, ouais. De Ligue 2. Tout est prêt. Ne manque plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Donc nous on joue à Bordeaux. La Ligue de BKT, un championnat qui offre de bonnes affiches comme celle-là. Le Stade Malherbe de Caen face au Girondins de Bordeaux. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu. C'est cette attente qui nous chatouille. Voilà, bon, je pense que je vais plutôt... prendre ça. Parce que bon, le taux de possession, ça dépend de mon équipe aussi. Je peux pas garantir un taux de possession, je contrôle pas toute l'équipe. Moi je contrôle que mon joueur, comme d'habitude. Dites-moi-le hein, si dans les commentaires, bien sûr, si le temps de jeu est trop long, si vous trouvez que les vidéos sont trop longues, je ferai des vidéos un peu plus courtes. Enfin, dites-moi-le, hein, partagez-moi vos avis. Si vous vous abonnez, c'est que des choses vous plaisent, certes, mais rien n'est parfait dans la vie. Donc voilà quoi, enfin, partagez avec moi, je suis là, je réponds. Je ne suis pas du tout fermé, bien au contraire. Surtout moi. Et on va regarder la composition de cette formation. Dans les manuels de football, un 4-3-3. C'est ça le 4-3-3 conventionnel. Demingue, Daubin, Brahimi et en attaque Mendy, Jeannot. Côté Girondin, et voilà qui remet qui débute. L'équipe se présente également dans un 4-3-3. Les capacités créatives sont concentrées sur les côtés. Il faut s'attendre à pas mal de centres. Allez, le coup d'envoi va être donné. Il y a encore des caméramans sur la pelouse. On va jouer avec eux. Allez, donc nous on est toujours attaquant gauche dans ce 4-3-3, dans ce schéma tactique composé par l'entraîneur de Bordeaux. Allez, on la récupère. Ah, il faut la mettre, voilà, tout de suite, ne pas attendre. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Oh, il faut qu'il y en ait un qui vienne là, la frappe et le premier but. Première action, première passe et l'ouverture du score de Maja sur une passe de mon joueur, sur une passe de El Tonio. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Une action qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une action des matchs précédents. En plus, mon joueur, il court vite, ça fait toute la différence. 1-0 donc au tableau d'affichage. Allez. Il cherche sur le côté. Ah, bonne intervention. Il n'y a pas faute. J'avais pas vu le tacle arriver. Daubin. Oula. Bonjour, il s'est fait pousser. L'attaque se poursuit, balle au pied. Et bon, mon joueur, il est bien revenu. Vital Nsimba. Oh,
Oh oui, oh dommage! Ah là, s'il me la mettait en hauteur, et je l'ai demandé en hauteur pourtant. J'ai demandé un ballon lobé en profondeur, mais. Jesse Dominguez. Il a pas voulu, il a rien voulu savoir. Encore un super ballon là. Ouh, le super tacle du joueur de Stade de Malherbe. Le temps que mon joueur il se relève. Jeannot. Il revient derrière. Ballon central, on est passé dans notre moitié de terrain. Quand qui progresse, qui remet, qui fait n'importe quoi. Et finalement, c'est perdu. Allez, Majac est trouvé dans la profondeur. La frappe et le deuxième. Le deuxième but. 2-0 à l'extérieur. Au stade Malherbe de Caen. On les entend plus. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. D'évacuer les tensions. Ça fait donc 2-0 maintenant. Et quand il y a le ballon, alors on les a pris à la gorge. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. Ah ouais, et ça c'est bien joué. Dans la profondeur. La frappe et l'arrêt. J'aurais pu faire autre chose aussi, mais je pense que j'ai fait le bon choix sur ce coup. Allez, le corner. L'intervention est ratée. Pas il y a assez toujours fort. Le feu dans la défense. On la demande. C'est dégagé sur ce centre. Encore un centre qui est dégagé. Allez, on va chercher sur le côté. Attention, grosse occasion. Oh, la frappe et le but. Et 1, et 2, et 3 buts d'avance maintenant. Mon joueur n'a pas été attaqué, donc du coup j'ai profité de sa vitesse pour avancer et pour pouvoir me mettre on dans de bonnes conditions pour frapper. On s'estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le score. 3-0, c'est le score suite à ce but. 3-0, on a une bonne note là de 8,2. Franchement, ça fait plaisir. Ah, la passe, elle est pas bonne là. On les fait reculer. Si c'est. La Maja, il est chaud bouillant là, il court partout. Maja, c'est un but et Robin. Une passe D pour le moment. Allez, on la récup. Et ballon récupéré sur cette action. Voilà, milieu du terrain. Il y a Nsimba. Ah, la passe, elle est un peu molle. Et la frappe, la rue du gardien. Je pense que il n'a pas assez levé pour pouvoir inquiéter le gardien comme il faudrait. Allez, le corner. Ah, le corner bien tiré. Ouais, il est bien frappé, mais la défense reste en danger. Oh oui. Ah non, il y a hors-jeu. L'action prometteuse, mais malheureusement, c'est un hors-jeu. Oui, la course a démarré beaucoup trop tôt. On ne sait pas si c'était une course pour demander. Je me suis précipité sur cette action parce que je la redemande derrière alors que mon joueur était hors-jeu. A été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Oui, c'est le premier but en faveur du Nîmes Olympique. Ça fait donc un but partout alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Ah, le contre est possible. Ah, super. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Oh, dommage. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. En 6 mètres sur le mercato, c'est officiel. Milinkovic-Savic a signé à Liverpool. Tout le monde était 88 millions, incroyable. Décision. Mais il n'y a pas 6 mètres là, il me met le pied le joueur.
Romain Thomas. Gobin. Alexandre Mendy. Jeannot. Allez, je vais y aller. Et le pied est super. Et il y a faute apparemment sur mon joueur. C'est donc un coup franc. Faute et du coup coup franc pour nous. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, on est passé. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ah, il y a Maja. Oh non, dommage. Et une courte C'était une bonne course. Et oula, il s'est complètement loupé. Il s'agit du premier but pour Metz. Un but à zéro. Un donc, but pour Metz. Ici depuis exactement 27 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Gregersen. Oula, alors je sais pas qui chercher. Mais il a trouvé l'adversaire. Le défenseur plutôt, il a trouvé là. Adverse. Robin. Allez, il écarte là-bas complètement sur le côté. Mais c'est bien joué. Le contrôle est parfait. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Super. Ah, il est parti, c'est trop tard. C'est bien joué. Ballon par-dessus. Et le drapeau s'est levé. En jeu signalé par l'arbitre. Heureusement pour la défense, elle a été transpercée sur cette passe. L'appel est déclenché trop tôt. Il faut davantage des coordinations, des planifications collectives. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Oh, ils se sont écartés. La frappe et le poteau rentrant. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus. Deux buts de mon joueur avec une passe D. Et ça fait 4-0. Là, on est normalement à l'abri. Après, dans ce jeu, le vélo s'attendra à tout. Ça se joue à rien du tout. Allez, le Veng. Bande de voleurs de champ, c'est à l'OM ce champ. Alors qu'un but vient d'être marqué sur d'autres pelouses. Encore un but. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, c'est le premier but pour Saint-Étienne. Un but à zéro donc. Oh alors non. Que la rencontre a débuté il y a 32 minutes exactement. Et merci et tenez-nous informés de la suite. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oh oui. Oh dommage. Ah, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Il a mis le gros pied, il a mis. Il a mis son pied énervé. Oh, il est passé, il a le contre favorable. Mais je l'ai fait reculer avec mon joueur. Il s'est loupé sur sa passe. Qu'est-ce qu'il fait, Maja? Ouh, que c'est pas passé loin cette interception. Et c'est très bonne ça. Récupération de mon coéquipier en défense là. Très bonne, ça c'est un super ballon, mais il y a personne pour l'aider. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Oh super la frappe, que leur goal. À bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Ah ouais, ouais, putain. Il lui a envoyé un shoot, s'il te plaît. Et il lui a dit, bro. Un corner qui est bien ajusté. Oh, le pas geste passé est raté. Loin, l'action n'est donc pas terminée. Au deuxième poteau. Ah, il est bien placé. Ah, c'est dommage. Et encore, ça nous revient dessus. Ouais, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Oh, la frappe en pivot. Oui, bien fait, la part du gardien. Et l'arrêt du gardien qui la repousse en corner une fois de plus. Et on a un blessé du côté de, du stade de Malherbe de Caen. C'est Brahimi apparemment qui est blessé. Alors il s'est blessé sur... Ah ouais, ouh. Normalement là ils sont tous les deux à terre, tête contre tête. Allez, le changement qui va être opéré là tout de suite. Qui c'est qui rentre là? Je connais pas tous les joueurs du monde.
Donc Bilal Brahimi, il est blessé. Ça, la durée, on ne l'a pas. Ouh. Facile pour le gardien, corner manqué. Et c'est Wajda. Wajda, pardon. Wajda. Pourquoi pas Wajden aussi, tant que tu y es, bro. Greg Hersen. Ah, dommage. Oh, il a perdu. Ballon perdu. Ballon perdu. Ouais. Oula, il s'est loupé là, mon. Ouais, il s'est bien fait, mon ça. Coéquipier, mais heureusement derrière, le ballon est envoyé en touche par l'adversaire. Ah, ça, c'est un superbe ballon. Allez. Il est passé. Un petit vent. Et c'est une frappe. Oh, la frappe. Très bel arrêt du gardien sur ce plongeon. Il a frappé direct, il s'est pas posé de questions. Josh Maja. Allez, on va retenter un corner. Bien frappé ce corner. Ouais, c'était. Oh là là, dégagement complètement loupé. Bien frappé. Oh, au deuxième poteau. Oh, magnifique. Ouh, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. C'est dommage. Mais en tout cas, j'ai réussi à quand même à le trouver avec ce centre. On a déjà atteint une note de 9,5 alors que le match n'est pas fini. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment. Oh, la frappe. Il dormait debout un peu derrière. Et corner du coup pour quand? Il y a 2 minutes de temps additionnel. Alors pourquoi mon joueur il se place ici? Il est petit de taille. Attention aux conséquences derrière. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Ah, il y a une faute. Ouais, il revient à la faute. Attends. Oula, pourquoi il a changé Wadja? Et il est blessé aussi. Incroyable. Oh, la frappe, oui, alors. L'arrêt de Poussin qui l'envoie en corner. Mais non, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps de ce match. Déjà, il a déjà fait 2 changements, l'entraîneur Canet, pour remplacer Brahimi. Oui, il fait rentrer Wadja, et Wadja se blesse aussi, donc il se fait remplacer. Et tout ça juste avant la deuxième mi-temps. Allez, on va reprendre le match pour le début de cette deuxième mi-temps. La télé qui va s'éteindre. Alors, je fais juste une passe vite fait, voilà, hop. On la perd pas. Voilà, là il y a des espaces, il y a un peu de. Il y a quelque chose à faire là. Ouh, la faute sur mon joueur. Et, on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et carton jaune récolté. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton par Van der Mech. Et la décision idoine. Ah là, pour le coup, il n'a pas du tout touché le ballon. Alors, mon joueur. Avec ce centre vers pas le deuxième grande poteau. Taille. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Ouh, si ça s'est passé. La frappe, ça passe à côté. L'idée était bonne, le tir en finesse, mais ça manque d'application. Même en essayant de la placer, ça manquait de justesse, des directions surtout. Allez, Bordeaux, j'allais dire. Caen, qui a le ballon. Ballon rendu à l'adversaire. Ah, dommage. Bon, je pense pas qu'il aurait réussi à me trouver. Super. Ah, il est passé. Ouais, la différence est faite. Attention, grosse occasion. La frappe, elle passe au-dessus. Bam, quelle grosse frappe à mi-distance. Ça frôle la transversale. La frappe de Simba, il est monté, hein, c'est. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste. Mon coéquipier de couloir, le défenseur gauche. C'est ce qu'il faut faire.
Il n'y a pas de solution, il va sûrement revenir derrière. Pression vers le but adverse. Oh, il est passé. La frappe. Quel arrêt de Poussin. Quel arrêt de Poussin. Il la fout en corner. Il est passé comme de la merde. Là, le défenseur, il s'est effacé. Allez, le corner. Dégagé. Est-ce que le ballon... Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est loupé, la frappe, contrée, encore une autre frappe, ça passe au-dessus. Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiet. Quand les joueurs canés sont un peu plus offensifs. Alors, on me signale un but. Dans un autre match, on va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Et oui, avec le deuxième but pour Sochaux, on en est donc à 2-1. Et on joue ici depuis 55 minutes exactement. Et c'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Oh, il est passé. Ah, dommage. Ah, dommage, ballon perdu. Et pourtant, le premier dribble a été très très efficace, mais après... derrière un peu fait n'importe quoi. Allez, relance du gardien Poussin, il est sorti. Voilà, super. Attention, ça c'est un bon ballon. Oh oui, la frappe, il a quel arrêt encore une fois. Corner encore une fois. Le corner. Et la frappe, Elle est contrée. Allez, je vais me caler à mon poste là-bas. Alexandre Mendy. Alors on va s'arrêter un instant hein, parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, deuxième but à l'instant pour Metz. Donc 2-1 pour l'instant. Après 61 minutes de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Très bonne défense de Nsimba. Mon coéquipier de couloir, le défenseur gauche, il a fait ce qu'il fallait. Le gardien qui dégage. Ça c'est super ça. Séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Ah, super. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. J'attendais de voir si elle allait avoir une bonne solution, mais elle l'a pas eu. Alexandre Mendy. Ah, cette passe, elle est bien. Quand l'attaque, le centre dégagé. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Et quand il y a encore le ballon. Nsimba. Allez, on repart à l'attaque. Super pour Maja. Il n'y a pas de solution. Oh, il va frapper. Ça va au fond. Encore une passe décisive. On en est à 5-0. C'est une déroute. On est complètement à l'abri. Ah désolé, j'ai pas laissé le ralenti. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Ah ça, ça sort ça, c'est sûr. Et voilà. Alors, j'étais en train de me dire non, ça va pas sortir. Parce qu'il a pris, il a réussi à contrôler le ballon, mais... Voilà, ça c'est parfait. L'action se poursuit. Ouais. J'en ai trop fait. Bien parti, et j'en ai trop fait. C'est perdu. Oula, quelle passe bizarre.
Oh oui. Devant le but, il faut frapper. Oh dommage, c'est pas fini. Et ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. C'est à ressembler impossible. Et pourtant, le ballon est bien sorti. Quelle intervention magnifique, pardon. La frappe puissante, mais quel but! Et encore une passe décisive en fait. À cette distance en plus, exceptionnel! Il y a la puissance, la précision, la surprise, il y a tout dans cette frappe très lointaine. Quel but de Maja! Alors je crois que c'est son doublé. Ouais, justement, il est remplacé par. Par qui? C'est qui lui? Est-ce qu'il change de schéma, l'entraîneur? Non, il change pas de schéma. Ouais, pas juste pas avant de sortir en plus. D'un seul côté, spectacle à sens unique. Il est passé une première fois, deux fois. Allez, il faut lever la tête maintenant. Oh, c'est un super ballon, la frappe, quel but. Et une super passe décisive. On en est à 7-0. C'est imparable. Incroyable, quel match encore une fois. Et cette fois-ci, on prend pas de but pour le moment. Voilà, il vient de rentrer. On le met dans de bonnes conditions. Qui s'envole par-dessus les défenseurs. La finition des volets est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer. Super. Dans l'école de reprise des volets. Superbe action. Ah, c'est David Chili. Ok. Je savais pas qu'il jouait attaquant. Ben maintenant, je le sais. Et nous, on a une note de 9,9. Franchement, ça fait plaisir. Alexandre Mendy. Ah, là, il protège bien le ballon. Ah, ils ont rien à proposer quand. C'est quand même assez stérile. Ils ont la balle, mais ils font beaucoup tourner. Il se passe pas grand chose. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ah, dommage. Mon appel de balle n'est pas bon. Jesse Deminguet. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Ah, Kanki. Alors, ils se sont montrés un peu dangereux. Oh, la frappe, que la rue de Poussin. Et c'est pas fini. En retrait. Oh là là, j'ai cru qu'elle allait avoir un but. Et Poussin qui fait le taf. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. Ah, il y avait zéro solution pour eux là. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ah, ça c'est super. Mon joueur est lancé en plus. Son vis-à-vis. Ah, la défense peine à revenir. La frappe, quel but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Mais quel but, incroyable. Fin de frappe. Il revient en arrière pour frapper. En finesse. Voilà, et la mettre à rat terre. C'est quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel. Et Mwanga qui est remplacé. 8-0, 3 buts de mon joueur et je sais pas combien de passes décisives il a fait. Il en a fait 4, je crois. Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffrance. Et nous voilà. Ah là, il n'y a plus rien à jouer. Alors c'est Bokele qui a remplacé Mwanga. Le ballon est intercepté. Simba. Oh super. Couverture de balle. Oh non, c'est dommage. Beaucoup trop de précipitation. C'est dommage parce que l'action elle était belle. Son ballon piqué complètement manqué. Crac, il apprend trop par en dessous en fait. Le lob est trop, beaucoup trop fort pour arriver à faire ce qu'il veut faire. Allez, voilà, dépossédés du ballon. Allez, quand qui ont le ballon, bon, il n'y a plus, plus d'enjeu. Hein, alors, ce, il y a du nouveau sur une autre rencontre. Avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il va... Allez, il a de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire? Le centre contré par Nsimba. 3 buts à 2 après 85 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Excellente conservation du ballon. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. 5 minutes. J'ai cru qu'il allait partir, mais non, il n'est pas parti. Abdi.
Ah non, ce ballon n'arrivera pas, il y a un bon placement défensif. La défense ne prend aucun risque. Coup de pied de coin. Allez, corner. Ça va être un corner sortant. Frappé au point de pénalty, c'est dégagé. Super. C'est ce qu'il fallait faire. Ah, j'ai peur qu'il court pas assez vite. Il est passé. Il est passé. Il est passé. Oh, dommage. C'est un corner à venir donc. Ma note a baissé alors que mon joueur il vient de faire une course extraordinaire, mais bon, c'est pas grave. Allez, le corner, est-ce qu'on va trouver une tronche? Ce corner. Eh oui! Oh là 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 là! Et encore un but! On n'arrive même plus à les compter! Ça s'arrête plus! Ça tourne à l'humiliation! 9-0! On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié! Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. C'est incroyable, les stats de mon joueur sont exceptionnelles à 4 journées. Alors lui, il est en train de traverser tout le couloir, tout le terrain. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Allez, bonne couverture d'Ensimba. Ça sort et l'arbitre vient de donc le corner. Pourquoi mon joueur, il y a un autre qui est descendu, alors je sais pas du tout pourquoi. Le corner bien incroyable tiré. Des fois ce qui se passe. Aucun souci, là pour la défense, ballon dégagé. Allez, c'est parti. Très bien, ah, dommage, il s'est pas jeté. J'ai fait de la merde. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Excellente l'intervention dans la surface. Allez, ça repart. Oh bien oui vu, ça, le ballon en profondeur. Ça, c'est un super ballon. La frappe, la chance. Mais quelle chance. Le but contre son camp. Malaise, malaise en défense. Et c'est rageant, évidemment. Juste avant la fin du match, en plus. Alors moi, pour moi, il avait loupé, là. On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose la plus grande du monde, mais marquer contre son camp, c'est la pire. Tu es dans une détresse vraiment très grande. 10-0 et Van der Mech qui a marqué contre son camp pour la dernière action. Et le match va être fini, voilà. C'est terminé, la joie donc pour les Bordelais, parce que les Girondins donc sortent de ce match avec la victoire. Toute l'équipe a mis de l'énergie, de l'ambition pour remporter ce match. Ensimba. Ah, franchement, c'est encore un super match de la part de mon joueur. Rien à dire, il a une note de 10, tout est parfait. Il a fait ce qu'il fallait. Attends, j'ai pas regardé combien de buts il a mis, combien de passes décisives il a fait finalement. 3 buts et 5 passes décisives. Voilà, enfin, il remplit son rôle à perfection. Je pense même qu'à la fin de la saison, il y aura plus de passes décisives que de buts. Vu que bah, il est sur le couloir, hein, il peut rentrer, il fallait marquer des buts, tout ça, mais bon, c'est pas non plus. Alors, on a 3 points de compétences, ça c'est cool aussi, ça fait plaisir. Je vais aller les caler avec vous et on va regarder si on a des choses à faire, des activités à réaliser avec notre joueur. Donc, c'est où ? Ouais, alors les activités qui sont disponibles, à mon avis. Donc voilà, c'est la même chose que la dernière fois. Solitaire. Remercier tous les supporters sur les réseaux sociaux. Vous êtes heureux d'être au centre de l'attention. Ouais, bon, on s'en fout un peu quand même, non? Alors, c'est quoi ça? Remercier pour les félicitations, mais rappelez-vous que vous savez qu'il faut continuer à travailler pour progresser. Voilà. Quelque chose de vrai. On peut pas s'attarder, malheureusement, sur soi-même. Alors, c'est quoi ça, investissement? On peut rien faire forcément pour le moment. Et ouais, décision, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a rien à faire. Les entraînements, bah, ils ne sont pas disponibles. Il y a les points de compétences à caler. On va le faire ensemble, comme j'ai dit. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Ah, j'aimerais bien avoir ça. Mais bon, c'est pas tellement possible. Ah, il y a la réactivité aussi qui peut être très très intéressante. À caler les dribbles, placement offensif, ça aussi. Au niveau des passes, ah, ça vaut que la vista, les passes longues,
Je pense que je vais plutôt caler là-dedans. Un peu en vista. Ça, ça vaut 2 points. Les centres. Et les centres aussi. Allez, on va mettre de l'effet. Voilà. On est passé à 75 de général. Et voilà, au niveau de la vitesse, on est à 84, les tirs, on est à 59. Je pense que la prochaine fois, j'améliorerai un peu les tirs. Les passes à 75, dribble 75, en défense, on s'en fout un peu, mais on est à 41, et physique 69, presque 70. Voilà, je vais juste avancer le calendrier un petit peu pour pouvoir faire les entraînements aussi. Et voilà, on a eu notre salaire, on peut rien faire pour le moment. Je vais quand même vérifier, mais on peut rien faire. Voilà, ça c'est quoi? Réserver un cours de danse, payer les frais de transport. Voilà. Le prochain truc qu'on fera, c'est ça. Hein, c'est réserver un cours de danse. Voilà, bon ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous a plu comme d'habitude. Moi je vais faire les entraînements et avancer le calendrier pour la prochaine rencontre de Ligue 2 pour la 5e journée du coup. Pour le moment ça se passe super bien, j'espère que ça va continuer comme ça, on verra bien par la suite. Voilà, fin de la vidéo, prenez soin de vous, restez peace, aimez-vous les uns les autres comme d'habitude et salut, ciao et à la prochaine pour le prochain match de Ligue 2.